Radio en compagnie de notre Nami Paraboulugou. Salut, salut. Et aujourd'hui, on se retrouve pour du El Diabolo Reapers of Souls. Bêta. On insiste sur la bêta, hein, parce que oui, le jeu ne sort que le fin 25, mars. Ouais, le 25, quoi. Fin mars, donc c'est édité et développé par Blizzard Entertainment. Et donc voilà, je pense que beaucoup d'entre vous savent ce qu'est Diablo. Mais on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo sur cette bêta, surtout avec ce nouveau mode. Le nouveau mode qu'on va vous présenter ici. Mais avant de vous le présenter, parce que ça s'appelle le Bounty, donc le mode aventure, en c'est français, ça. Je pense ouais. que ça sera. Et ben on va aussi vous montrer un peu les changements qui ont été apportés. Enfin, du moins, pas les changements, mais plutôt les ajouts. C'est ça, ouais. Ce qui a été ajouté au jeu. Donc moi, je te propose de commencer par le plus marrant, c'est-à-dire le transmogrificateur et l'enchanteur. C'est-à-dire ouais. Myriam. Et qui est la naine, la gros naine aux gros boobs. Ouais, voilà, la même. Putain, c'est vrai que sacrée paire de boobs, juste tilté. Bref, donc ben voilà, ben, qu'est-ce que ça va pouvoir apporter à votre expérience de jeu? Et ben globalement, si je trouve un stuff que je peux enchanter, imaginons mon bouclier. Je veux l'enchanter. Je le place ici. Et vous voulez voir que j'ai 4 affixes qui apparaissent donc sur la possibilité de changement. Donc là, vous pouvez voir que j'ai la force, la vitalité, l'armure et les gold en plus sur les mobs. Et imaginons que je veuille changer cette affixe là sur justement ce trop-plein de gold, que je veux une stat peut-être plus intéressante. Et bien, je clique sur le petit point d'interrogation. Et là, vous voyez le nombre de propriétés possibles justement grâce à l'enchantement. Et comme vous pouvez voir, il y a quand même un bon paquet. Ça c'est un peu chiant parce que justement, du fait que ça va générer une de ces stats ici aléatoirement, bah, vous ne savez pas ce que vous aurez à l'avance. Par exemple, si je clique, que je lui dis oui, et ben voilà, il me dit quoi? Il me donne plus 100 de résistance au froid. Mais c'est quoi? C'est sur quelle propriété que tu as changé déjà de base? L'or. D'accord, mais c'était, ouais, bah, c'était pas sur une stat que tu voulais, c'était pas sur stuff à toi là? Si, c'est sur vraiment. Ah, tu t'en fous? Ouais, je m'en fous, mec. Ah, complet. Ah, parce que complet. Moi, tu m'as fait flipper parce que moi, non, mec, si je change des stats, là, franchement, ça va partir en vrille. Mais ouais, c'est vrai que c'est totalement géré aléatoirement et la ressource qui est demandée pour les légendaires, c'est assez dur à trouver. Du coup, quand vous cherchez un peu de coups critiques ou de DCC et tout, c'est vrai que c'est un petit peu dur. Mais après, quand vous tombez surtout sur la bonne stat, j'ai l'impression que, ouais. En fait, pour changer, enfin, déjà, vous voyez que là, par exemple, je me suis dit la stat c'était pas intéressante. Bah, si je viens mon bouclier, donc du truc, et que je veux le remettre, et bah là, vous voyez qu'en fait, la seule stat que je peux enchanter, et bah, c'est justement ces gold. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez enchanté ça, je crois qu'on peut pas en faire non, plus. Non, non, hein. Bah, ça serait trop cheaté, mec, ça serait trop abusé. On pourrait changer toutes nos stats, essayer d'avoir chaque stat super OP. Exact. C'est vrai que ça serait trop cheaté. Mmh. Donc, à la place de ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, on peut changer qu'une seule stat, donc de préférence, une stat qui ne vous sert à rien. Bon, vous allez me dire, être riche, c'est pas ce qui sert, le moins. mais franchement, moi je trouve que c'est bien parce que des fois ça arrive que même sur Vanilla, en fait, sur Diablo, on est par exemple deux stats qui étaient bien. Par exemple, je vais prendre l'exemple d'une amulette ou qui demande beaucoup d'attaque speed, des dommages de coups critiques et des chances de coups critiques. Souvent on avait que deux stats. Du coup, maintenant on peut essayer d'enlever une stat qui sert à rien, par exemple, pas qui sert à rien, mais plus 10 de life. Plus 10 de pourcentage de life pour essayer de mettre une stat qui sert plus et qui peut vous EP. Donc franchement, moi je trouve ça intéressant. Après, c'est bien aussi. Moi je trouve que c'est bien qu'on puisse changer qu'une stat ou sinon ça aurait été trop abusé et je pense pas qu'ils auraient fait ça, quoi. Ouais, d'ailleurs, je te propose de montrer la transmogrification sur les objets collector. ouais, pas mal du tout. Donc là, justement, on va vous montrer un peu justement ce que propose le bundle édition Deluxe. C'est ça. Et vous pouvez, donc normalement, je crois que c'est le casque et les armes uniquement. Si en fait, c'est ça, ouais. Tu as trois casques. Tu as Infernal ici. M. Ouais, Abyss. L'Infernal M qui est le casque de précommande pour ceux qui ont précommandé la version console de Diablo 3 à l'époque. Mm-hmm. Je crois que c'est le même skin. Hein. On a le masque de mort. Donc, ouais, le Death Mask. Ouais. On croirait que le mec il est en train de fumer sous son casque, hein, mais on dira rien. Et Hallowed, je crois que c'est le masque des damnés, ça, Hallowed. Je sais pas, en tout cas c'est lui qui avait mis sur ton croisé à un moment et je trouvais qu'il était super stylé. Ouais. Ouais. Bon, après moi avec ma fétichesse ça passe pas trop bien, mais avec la fétichesse il y a
place parce que voilà quoi, Ben c'était ça dépendait pas. de la stat du stuff que vous avez besoin. C'est vrai que c'était un petit peu à chier quoi, mais souvent on vous retrouve avec Mais des items qui maintenant, étaient maintenant on puants. peut tout transmogrifier. Et pour voir cette transmogrification, bah vous devrez débloquer ce personnage, Myriane, qui n'apparaît que dans le début de l'acte 5. Je pense qu'après 30 minutes, vous le débloquerez très facilement. C'est pas le personnage le plus difficile à débloquer. Et après, bah faudra l'entraîner, hein, faudra l'entraîner parce que sinon, C'est bah ça. je sais pas. Imaginons que je prenne cette épée, et ben par exemple, vous aurez juste les 4 premiers trucs. Et en fait, si vous voulez débloquer plus de skins, bah il faudra l'entraîner ou alors découvrir des légendaires que vous devrez donc lier à vous, hein, c'est-à-dire Looter. découvrir les stats. Ouais, si vous Et à ce lootez un moment-là. légendaire, vous pouvez directement avoir le skin sur Myriam en fait. Donc voilà, donc le seul moyen d'avoir des skins, c'est soit de la monter à fond, comme on a fait ici, ou soit de découvrir des légendaires qui vous permettront justement d'avoir des skins. C'est ça, en plus en fait. Il faut monter le level sur tous les PNJ, que ce soit le forgeron, que ce soit aussi au niveau des gemmes, je me rappelle plus, la joaillerie et Myriam, la mystique. Il faut que vous montez maintenant au level 12. Vous avez quand même pas mal d'objets qui sont déjà découverts, mais tous les légendaires sont à découvrir vous-même. Vous les looterez dans la partie et à chaque fois vous lootez un légendaire. Vous pourrez ensuite l'avoir disponible chez Myriam. D'ailleurs, un petit truc que je te disais hier. Chez Myriam. Chez la mystique, ouais, je dis Myriam. Je C'est sais pas, que. ça fait un peu comme le joueur du grenier avec le zazen kebab. Je sais pas, je regarde pas du tout, je sais pas ce que c'est. Mais. Allez, c'est de la pub. Ce que je disais à Alex hier, c'est que la plus grosse nouveauté aussi sur le jeu, ça va peut-être en faire. Ça va faire grincer des dents et peut-être ça va en réjouir de plus d'un. C'est que tous les légendaires sont liés au compte. Donc, je m'explique. Quand vous lootez un légendaire, vous avez. Si vous l'équipez déjà, si vous équipez le légendaire direct, il est lié à votre compte, donc vous ne pourrez plus le passer à n'importe qui. Par contre, si vous lootez un légendaire, que vous ne l'avez pas équipé, en fait, en bas de la partie, j'espère qu'on en trouvera un. J'espère qu'on en On trouvera verra, un. Ouais, on là, bah, verra. d'ailleurs, moi j'en ai un là sur moi. Vous pouvez voir tout en bas de la stat, tout en bas, il y a marqué que j'ai joué. En fait, les légendaires sont liés à la partie avec les personnes avec qui vous jouez, en fait. Hier, moi j'ai joué avec un collègue qui s'appelle Balthazar. Et du coup. Cet objet, il y a nous deux pendant 2 heures et vous avez un chrono. Là, vous voyez qu'il reste 14 minutes et 20 secondes qui défilent en fait. Donc, si pendant ces 14 minutes je lui passe pas le légendaire, mais il sera lié à mon compte ou vice versa s'il en a besoin, je peux lui passer. Mais il faut pas l'équiper. Si vous l'équipez, c'est lié à vous et après c'est mort. Donc, ce qui est bien, c'est que dès que vous lootez légendaire pour avoir un maximum de skins chez la mystique, c'est que vous lâchez le légendaire directement au sol pour que la personne, votre collègue, le récupère. Ah, j'arrive pas à Et ouais, récupérer, parce c'est qu'il est lié au lié. compte! Et oui, parce que tu n'étais pas dans ma partie avec moi. Et pour que la personne le récupère et que en fait vous passez les skins comme ça et comme ça vous montez pas mal la mystique. Petite nouveauté aussi, vous avez pu vous apercevoir que maintenant les pièces de set sont avec des faisceaux verts, ce qui n'était pas avant. Donc c'est un petit truc aussi pas mal du tout. Et là vas-y, Moi, vous ben pouvez voir. comment? Qu'est-ce qu'on voulait dire aussi? Aussi le nouveau système de Paragon. Ouais. Parce que oui, c'est très important de voir ce nouveau système de Paragon. Parce que dans Diablo 3, eh ben, c'était un système avec des stats fixes en gros. Hein. Donc à chaque fois que vous gagnez un niveau de Paragon, vous gagnez X points en force, en dextérité, en Tout à intelligence, en fait. vitalité. Et vous gagnez aussi 3% de gold et 3% de magic find à chaque level gagné. C'est ça. Maintenant, ça a changé. C'est-à-dire que si vous regardez ici, en fait, maintenant le paragon est réparti entre 4 branches de talents qui contiennent chacune donc 4 sous-branches que vous pourrez justement améliorer avec ces points de paragon que vous gagnez. Parce qu'à chaque fois que je sais pas combien c'est de points par paragon de mémoire. Je sais pas, je sais tout ce que je sais, c'est que normalement les stats devraient être remplis à bloc. En fait, on devrait être au max quand on sera Paragon 800. Ah ouais, quand même. Ils ont vu gros quoi. Ouais, donc. Donc vous voyez là, j'ai tout reset, donc j'ai qu'avec mon paragon 58, et ben j'ai 15, 15, 14, 14. Et si je veux, là par exemple, je peux dire que bah, je vais augmenter mon maximum de vitesse de mouvement. En offense, par exemple, ma vitesse d'attaque. Et vous voyez que c'est vraiment minime hein, ce qu'on rajoute. Hein. Là j'ai à C'est peine vraiment minime, mais c'est vrai 3% que avec 15 points. c'est un ajout, je trouve, important, moi, sur le stuff. Parce que c'est vrai que sur certaines pièces de stuff, des fois, c'est un apport qui est. Moi, je le sens. Je commence à le sentir. Là, j'ai 46 points. Je commence quand même un petit peu à le sentir au niveau des déplacements ou même au niveau de la mana. Ça dépend tout où vous mettez vraiment vos points. Ouais, ça a son utilité. Et je pense que dès qu'on arrive dans les paragons 300 ou 400, ça commence vraiment à être très très fat, ouais. Comme Donc là, pour le moment, on vous a présenté ça.
ça, le mode aventure. Ah oui, on a oublié de dire que maintenant les paragons sont liés entre tous les personnages, c'est-à-dire que Tout à fait. dans Diablo 3, eh ben, quand vous aviez un personnage paragon 100, bah, si vous vouliez avoir une autre classe paragon 100, eh ben, il fallait la monter paragon 100 et aussi, bah, maintenant c'est terminé en fait, tous les paragons sont liés entre tous les persos, c'est-à-dire que là par exemple sur mon compte officiel, bah, j'avais un paragon, je crois que c'était 46 et un paragon 30, et bah, au total j'ai 58 de paragons sur tous mes personnages sur la bêta quoi. C'est ça. Non mais c'est ça. T'as tout bien résumé, mec. Donc en fait Voilà, tout tout est bien lié au compte. résumé. Ouais, tout est lié au compte. Vous aurez plus à passer maintenant. C'est vrai que les paragons, il y a beaucoup de gens qui se disaient comment ça va se passer et tout. D'ailleurs, on attend impatiemment la 2.0 Moi, ce sur que j'attends Vanilla. surtout, c'est. Bah oui, parce qu'il faudra le dire aussi, c'est que c'est la fermeture de l'hôtel des ventes. Il n'y a plus d'hôtel des ventes sur Reaper of Souls. Ça, c'est un truc, c'est un gros point sur le jeu et. Maintenant, ça va peut-être plaire à certains, ça va peut-être déplaire à d'autres. C'est vrai que pour ceux qui ne voulaient pas se prendre la tête à chercher le meilleur stuff possible ever, ils pouvaient passer par l'hôtel des ventes s'ils avaient les sous. C'est ça. Et donc, bon. Moi, je trouve personnellement que c'est pas trop dans l'esprit de ce genre de jeu, parce que ce genre de jeu, c'est un jeu de farming, hein. C'est un jeu où est-ce que tu passes le plus clair de ton temps à refaire et à refaire les mêmes choses jusqu'à tomber jusqu'au stuff ultime. C'est ça. T'as de belles jambes d'ailleurs, Mais toi. non, mais c'est vrai que. Et je tiens à signaler aussi que l'hôtel des ventes a fermé, mais les loots sont plus conséquents. C'est ce qu'on voulait, vraiment, franchement. Là, on voit que ça commence vraiment. Moi, je sais qu'à mon niveau, je commence vraiment à looter des trucs très importants et franchement, ça fait plaisir. Il y a beaucoup plus de loot. Je me rappelle, je crois que pour un loot qui tombait sur Vanilla, je crois que là, ils l'ont multiplié par 2 ou 3. Du coup, il y a pas mal plus de légendaires qui tombent. Et moi personnellement je trouve que c'est mieux. Après je vous dis, c'est vous. C'est vrai que si vous préférez acheter votre stuff, j'en connaissais moi pas mal de gens qui arrivaient, qui mettaient des sous dedans et qui connaissaient même pas le jeu. Mais après c'est un jeu de farmer. Il faut jouer. Et puis au bout d'un moment vous tomberez sur le bon Bref, item. je pense que le topo explication est fait parce que ça fait 13 minutes qu'on papote et on n'a même pas été taper un mob. Donc le mode aventure, ça consiste à quoi en fait? On se retrouve on se retrouve sur la Monte map. la map. Ouais, monte la map. Ouais, je Et montre vous la map voyez, juste. vous avez tous les actes qui s'affichent. Donc imaginons qu'on veut aller à acte 1. Et là, vous voyez qu'il y a des mini-quêtes qui apparaissent, soit des quêtes, soit des boss à tuer. Et en fait, si on fait les quêtes de cet acte, les 5 quêtes, eh ben, on reçoit un Noradric Cache. C'est Donc ça. c'est une petite valise qui contient loot, objets de craft, tout ça, tout ça. Et plus votre niveau de difficulté est élevé, plus le cadeau sera conséquent, en gros. C'est ça, mais c'est plus au niveau du gold, des gold aussi, parce que tu l'ouvres ton paquet en normal ou en T6, ça sera la même. En fait, ça dépend vraiment de ton margin find et ça sera plus en fait si tu l'ouvres en tournoi de 6, ça tu auras plus d'argent, je pense, qu'autre chose. Moi, j'ai testé un petit peu de partout et c'est vrai que. D'ailleurs, on l'a pas signalé, mais maintenant c'est fini le coup du passer niveau 20 pour passer en mode enfer, passer niveau 20 pour C'est passer en vrai. mode cauchemar, passer niveau 40 pour passer en mode enfer et passer niveau 50 pour passer en mode Armageddon. Ça c'est fini maintenant, c'est vous qui décidez. Même si vous êtes niveau 1, vous pouvez aller directement en mode torment Oui, niveau oui. 25 s'il le faut, vous ferez dégommer, mais bon voilà, maintenant il Non, n'y a plus ça. en fait, c'est lié. En fait, les monstres. Le niveau des monstres est lié à votre personnage, en fait. Par exemple, là, nous, on s'est mis en expert Ah, pour parce que moi Hex. j'encaisse mal. Voilà, on s'est mis en expert pour Hex, mais c'est Hex qui a lancé la partie. Donc, vous voyez en haut à droite, juste en dessous de Bastion, Ouais, on est juste en ici, vous expert voyez. level 65. C'est parce qu'on est sur la partie de Hex. Et du coup, les monstres, en fait, auront le niveau de vie de Hex. Du coup, ça change. Vous pouvez vous mettre en tourment. Vous êtes 1. Vous pouvez vous Parce mettre que en je suis une tourment. pucelle fragile. Et vous aurez les mobs qui seront de votre level, en fait. Plus vous allez monter de level. Ce qui est bien aussi, c'est que moi, je sais que j'ai monté mon personnage, mon croisé. De 0 jusqu'à 56 ou 57 en faisant que les 5 actes sans refaire le jeu 3 ou 4 fois en fait. Du coup, bah, moi je trouve que c'est plus plaisant, tu n'as pas à Allez, refaire. moi je te propose qu'on aille à l'acte 1. Vas-y. On va aller dans les champs de la misère. Je sens que je vais laguer, mais c'est pas grave. Oh, Mais ben non. j'arrive, il y a déjà des mobs, c'est cool. Donc tu devrais dire que tu joues avec le croisé, mec, c'est important. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, regardez le beau mob qui m'accompagne. Ah, il est beau, hein, c'est mon Alors. copain. Ce qui est la grande nouveauté aussi sur le jeu, c'est qu'il y a pas mal d'affixes sur les armes. Les affixes, c'est ce qui donne vraiment. C'est vrai qu'il me fait délirer ton diable qui se coiffe. Ça donne vraiment des affixes
peux avoir des armes avec des trucs super stylés, comme là vous voyez que Hex il a son démon qui le suit avec Ouais, sa mon chaîne de feu. démon. Et chaque arme a son affixe. Vous pouvez avoir, moi je sais que je suis tombé sur l'arme du boucher, du coup avec cette arme je faisais des cris de boucher, j'ai un collègue qui est tombé sur une arme qui crie. Vous avez plein de trucs comme ça, après ça c'est vraiment les stats rigolotes. Sur la mienne par exemple ça Pourquoi proc. est-ce qu'on fait ça, mec? Parce que là, on doit aller dans le En scavenger fait, il faut den. chercher. En fait, là, dans les bounties, il vous demande à faire des missions. On nous donne des petits objectifs, que ce C'est ça. soit. Mais en général, c'est souvent aller taper un boss ou alors nettoyer toute une zone, C'est ce ça. genre de choses. Du coup, on va essayer de chercher l'objectif. Nous, ce qu'on fait quand on fait des bounties avec les collègues, c'est souvent on se sépare un petit peu histoire de trouver la zone le plus rapidement possible. Et dès qu'on a trouvé la zone, après, on se rejoint tous. Petite nouveauté aussi, on peut se téléporter directement via le player. C'est juste à gauche, là, c'est bon, j'ai trouvé, mec. Juste Vas-y, relever vas-y. un peu. Donc moi c'est pas du tout mon level, ne vous affolez pas si j'ai joué les mobs. Ouais, il y a un bleu qui m'en veut. Ouais, il y a un bleu qui m'en veut. Moi normalement j'ai joué en tournoi 2, là je me suis en Tant expert, pis. c'est un petit peu. Tu t'en sors ou ça se Ouais, passe comment en fait? j'arrive, je suis là. Ok. Non mais c'est bon, tu es bien toi, ça se passe comment? Tu es pas mal ou. Bah là, ça va, c'est... C'est Ah, mais correct. t'es vite parti, toi. Non, je suis pas parti, je suis derrière toi. Voilà, par Ah bah contre. tiens, si je meurs, ça tombe bien parce qu'on va pouvoir montrer Mais non, tu vas pas mourir, je te laisserai pas une... mourir. Bah si, il faudra peut-être montrer une nouveauté de la mort aussi. Ah, que tu putes, Parce que tu t'as maintenant, en pas. fait, on est plus téléporté genre à un certain endroit de la zone. Maintenant, ce qui se passe, c'est que on peut revivre directement à son corps. D'ailleurs, pareil, en train de tout péter là, comme d'habitude. Ça va vite. Là, en fait, ce qu'on doit faire là, c'est passer directement au level 2 pour tuer toutes les mobs de la zone du level 2 de la zone. Bad for you, friend. Je sais même pas si elle a dit ça. Je sais pas. Apparemment, je me suis gouré de chemin. C'est pas grave. Ouais. J'ai un cheval, moi. Un peu à Darksiders, d'ailleurs. Ça c'est vraiment stylé. Bon, ça sert à rien du tout, mais c'est vraiment stylé. Bon, ça a rien du tout. Ça permet de s'enfuir, surtout. Ce qui est dommage, c'est qu'on passe pas à travers les ennemis, je trouve. Ça dépend Donc de la voilà, rune que tu maintenant. prends, je crois. Maintenant, on est. Oh, 25% de Magic Find. Ce serait pas mal ça à faire tomber là. 25% de Magic Find et je tombe sur 300 points d'or quoi. Super. Sérieux? Vas-y, laisse-le-moi. Vas-y, Oh pardon, putain. excuse-moi. Ah bah oui, c'est vrai, en plus les mobs ils ont des nouveaux Ouais mais il est où là? Merde. Les mobs ont des nouveaux affixes aussi hein. Oui, les mobs ont de nouveaux affixes. Je vais voir s'ils arrivent. Je vais essayer d'en laisser faire un petit peu. Allez, mourez! On dirait qu'ils veulent pas. Ah, c'est parce que t'es là. Ils veulent pas, ils veulent Voilà. pas. Oh, lui, il Moi, je arrive. tenais aussi à un petit peu parler Ah, une marquise, justement. des gemmes. C'est très important aussi de le signaler. La marquise sera la gemme la plus basse. N'hésitez pas à mettre des likes, hein, justement, des j'aime. Lol. La marquise, ça sera la. Sur Vanilla, c'était la gemme la plus fat qui existait. Il reste qu'un ennemi, là. Ouais, il faut le chercher. Et du coup maintenant sur ce Vanilla, sur ce Reaper of Soul, dès que vous dépassez le level 61, vous avez directement la marquise qui est lootée au sol. Donc Donc voilà, on a fini notre petit truc. là on a fini notre première mission Voilà, et on on va se retourne. téléporter directement. Moi je vais directement en fait je fais tout le temps de gauche à droite mec. Après c'est un ordre que je me suis fait. Ah ouais, c'est vrai, toi, moi j'ai pris la mauvaise manie de retourner à Tristram à chaque fois. Ah non, ce que tu fais c'est que tu fais tab et tu fais clic droit en fait. Et ça te rouvre la map entièrement. Ah ben, ah putain, la fixe. Ah, Ah pas merde, j'avais grave. pas vu. Oh, il y a 125 ennemis à tuer. Oh, ça va être emmené de. Ouais, avec toi ça va être facile, hein. Mais Attends, laisse-le-moi lui. Lui, il est à moi. vas-y, Voilà. vas-y, fais-toi plaisir. Ouais. Ouais, Moi, il est arrivé, je lui ai je mis un tenais à million de parler un points dans petit la peu, c'est vrai gueule. que je suis un petit peu inactif là sur la chaîne, c'est parce que je tenais à parler de la chaîne que je viens d'ouvrir en fait, consacrée qu'à Diablo. Ah non, pas qu'à Diablo, mec. Ou Hack and Slash en Hack and général, s'il te Slash, plaît. c'est vrai. Je me suis un petit peu manqué. Hack and Slash en général, là c'est vrai qu'on est beaucoup consacré à Diablo. On essaye D'ailleurs, on de. va pas tarder à retourner Sûr? sur Marvel aussi un peu. Oui, ouais, c'est vrai, on a vu toutes les nouveautés qu'ils avaient fait sur Marvel, les ajouts de nouveaux persos et même pas mal de quêtes supplémentaires. El Maron. Y a bébé qui marronne. Ouais. Et ça c'est un truc, franchement voilà, je tenais à vous parler de cette chaîne. On a ouvert
découvert avec un collègue qui s'appelle Ours de Guerre, le nom, le bisounours, le poney de guerre, ouais. Le poney de guerre. Et ben voilà, on fait plein de trucs, on fait plein de tutos, plein de builds. C'est quand même le seul homme qui a un tatou bisounours sur le bras. Ah lol, comme il va rigoler quand tu vas regarder la vidéo. Et apparemment, ça fait pas fuir les femmes. Non. Si je me tatoue un pédobir sur le bras, tu crois qu'elles vont toutes venir dans mes bras? Je sais pas, si elles croient que c'est un nounours, mec, ils vont dire c'est plutôt rigolo. Ah bah tiens, on a eu justement un bonus là qui s'appelle le Rift Keystone. Justement, en parlant des modes aventure, ça peut, ouais. Peut parler du Rift Keystone en gros. Ouais, je pensais qu'on allait en parler plus tard, mais ouais, si tu veux, vas-y, y'a pas de problème. Bon, attends, t'es où là? Là, j'ai détruit tous les mobs, là, je t'attendais un petit peu. Le Rift Keystone, c'est ouais, bah, c'est la clé du Rift en fait, c'est une clé pour ouvrir une faille. Attends, mais on va où? On va où, mec? Là, directement. Bah, si tu veux, on va direct tuer l'araignée. Tout en bas à droite. Cavernofa. Queen Area, je me rappelle plus le nom de la dame. Ok, go. Ah, mais j'avais même pas vu qu'en fait ça t'affichait ton petit icône quand t'étais sur le truc. Oui, ouais, ça aussi, ouais. Donc, si vous cherchez un ami sur la carte, vous savez que directement il est ici. Et s'il n'y a pas d'amis sur la carte, ça veut dire que vous n'avez pas d'amis. Si vous n'avez pas d'amis. cette zone, putain, par contre, elle me fait un petit peu chier cette zone. Ah, alors, nouveauté aussi. Un event. Ouais, nouvelle event. Ah, les coffres. Vas-y, je te laisse cliquer. On va voir, j'espère que c'est celui que je kiffe. C'est les coffres maudits, les cursed. Ouais, c'est celui-là que je kiffe. Donc là, je te dis, mec, juste tu restes au milieu. Voilà, envoie tes marteaux, fais que ça, mec. Fais que ça en boucle. Ouais, je sais, mais de toute façon, c'est ce que je fais parce que vous voyez, en fait, il y a un objectif bonus, c'est-à-dire que si on tue 100 ennemis avant la fin du temps restant, eh ben on aura un bonus, hein, un petit bonus sympathique. En général, c'est deux coffres qui pop ou un truc dans le genre. C'est ça. Donc voilà, bon, je te dirais quand même d'essayer de te laisser. Voilà, donc là, on les a tous tués, maintenant on finit le truc, vite fait, pépère, là, on essaye de faire les records, nous, à chaque fois avec le collègue. Je crois qu'on avait fait plus de 200 mobs tués. En T1, tu vois, c'est rigolo. Et en plus, j'ai presque level up, ça c'est beau. Et ça c'est beau, il va y avoir un level up en live. Et voilà, on a eu deux coffres. Ouais, 180, c'est pas mal. Et maintenant, ce sont devenus des coffres radiants. Ouais, ils ont changé, il y a pas mal de coffres qui ont changé. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de nouveautés sur le jeu, c'est juste hallucinant. Ouais, c'est surtout hallucinant le fait que ça te force limite à farmer, quoi. Ça donne en plus l'envie de farmer parce que tu te dis que t'es récompensé, quoi. Et en plus, les événements sont franchement sympas. Moi, je sais que ça fait combien de temps, ça fait combien de temps qu'on a eu l'accès? Faire deux semaines, hein, deux semaines. Moi je sais que ça fait je l'ai déjà soudé, hein, ah je suis plein, oh lol, c'est normal. Maintenant tous les items servent sur le jeu, ça aussi on en a pas parlé parce que ça devient, c'est normal pour nous. Si tu veux qu'on back, non back pas, vas-y. Tous les items servent, les blancs aussi serviront pour faire des crafts, pour crafter des sets légendaires. GG, yeah, niveau 66 bitches, lol, niveau 66. Et tous les items serviront. Niveau 69, mec. Ouais, je sais. La dernière fois, il y a Natsu qui m'a dit, putain, je suis level 69. Si y aurait eu X, il m'aurait dit, c'est le bon level, garde ce level. J'avoue. J'étais mort de rire. C'est bien que tu commences à me connaître. Ouais, tu commences à te connaître. Ouais, je parlais des items, en fait. Les bleus, les blancs et les jaunes serviront pour le craft. Donc c'est super important de garder tous les items et de tout ramasser, du coup. Ouais, c'est vrai, ça. Pour le crafting. Franchement, de ce qu'on a vu sur des live streams et tout, franchement, on a vu des mecs mais qui craftaient des stuff mais de pété, quoi. Ouais, c'est un truc de malade. Ah, chose à signaler aussi au niveau de l'argent, il y a plein de gens qui vont se poser la question, est-ce que je garde mon argent s'il n'y a plus d'hôtel des ventes? Et moi, je vous dirais de oui, gardez votre argent parce que les crafts coûtent super cher. Au niveau de la transmogrification, on en a pas parlé aussi, ça coûte super cher. Mais ça, c'est la transmogrification, ce qui coûte le plus cher, c'est surtout les objets de haut niveau, quoi. Oui, mais quand tu transmogrifies, quand tu enchantes, tu peux passer facilement, en fait, si tu passes d'un enchantement, tu essaies d'avoir une stat et tu tapes 10 fois la stat, tu peux passer de 50 000 à 200, 300, 400 000, donc ça va super vite. Ça va super vite, il suffit que vous fassiez ça sur chaque item de votre stuff et C'est moi. Vas-y, je tape pas si tu veux. Mais non, c'est normal. C'est le pattern. À chaque fois, il fait ça. Ouais, mais elle a pas eu trop de vie. Hey, je me dis quand même du 600 000 dégâts. Hein. C'est vrai? On l'OS ou pas? Vas-y, finish là. Et voilà, encore une clé de rift.
aussi à la fin du Rift. De toute façon, je retourne en ville parce que là, faut quand même Tu es plein? que. Ouais, je suis Ouais. un peu plein là. Vas-y, je vais aller en ville avec toi alors. La carte aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la carte est nouvelle. Ouais, c'est vrai. Sur le mode histoire, elle restera la même, mais sur le mode aventure, la carte a changé. Donc moi personnellement j'ai trop d'items pour crafter donc je dés un petit peu les items, je les vends sans regarder les stats dessus parce que à mon niveau là je suis presque à 1 million de DPS, je pense pas qu'en expert je trouve quelque chose qui m'up, même si des fois de temps en temps vous pouvez trouver des trucs sympas. Ah, quelque chose que je voulais te parler aussi, c'est vrai qu'on a parlé un peu de craft. Vous avez des nouveaux objets. Je vais essayer de tous te les looter, c'est ceux que j'ai trouvé pour le moment. Ça s'appelle des artefacts. Tiens, je te les ai mis sur le chat. En fait, ces artefacts vous servent à crafter des objets de set si vous en aurez besoin. Wow. Putain, t'en as mis là. Moi, c'est tout ce que Ah j'ai eu pour le moment là. ouais. Lol, carrément. Et ces artefacts vous servent pour crafter des sets légendaires. Donc, chaque artefact sert pour un légendaire, pour une pièce de set. Qui demande 2, 4, 6 compos. Donc voilà la paire blanche, en fait, la botte blanche que je vous disais tout à l'heure de récupérer. D'ailleurs, nouveauté aussi, un quatrième coffre où je stocke moi tous mes items Ah blancs. oui, c'est vrai, j'ai pas montré quatrième coffre. Ouais. Attends, parce que là j'ai trop de gemmes sur moi là. Vas-y, vas-y, vas-y. J'ai trop Je de stocke life tous là. mes items blancs en fait pour faire ces fameux crafts légendaires. Donc il y a vraiment encore, je vous dis, encore beaucoup de nouveautés sur les affixes sur le stuff est juste Ah, on l'a hallucinant. pas dit aussi, maintenant on n'est plus obligé d'avoir équipé les objets, tu vois, genre les objets de craft. Genre si vous voulez crafter un truc, et bah là vous voyez bien que ces objets-là, bah, je les ai pas sur moi, ils sont dans mon coffre, et bah maintenant on peut quand même crafter même si les objets sont dans Directement le via, coffre. ouais, bien sûr, s'ils sont dans le coffre. Qui était sympa. Ils ont bien Comment facilité. aussi le Uber. Les Uber ont changé pour toutes les personnes qui connaissent les Uber. Pour crafter l'anneau des flammes, vous avez le Uber au level 70. Donc un Uber totalement différent avec des boss de ouf. C'est vraiment un truc de malade. Ou sinon, au niveau des gemmes, tu utilises à toutes les gemmes ou pas? Non, pas du tout, toi. Bah j'ai des impérias et j'ai des marquises quoi. D'accord. Moi, je sais que je les ai toutes. Donc ça commence à partir de. Par exemple, je vais partir sur l'intelligence. Vous pouvez upper ben, la marquise qui était le plus OP sur Vanilla. Vous passez directement ensuite à 100 d'intelligence. La troisième marquise, la troisième sera à 160. La Royal Topaz sera à 220 d'intelligence et la maximum sera à 280. Donc on passe de 62 à 280 d'intelligence sur les stats, c'est vraiment un truc de fou. Comme ma bite. Eh bien, on va vite finir ça. Allez, moi je retourne Là, tu es parti là-bas. taper. Bah, Ah bah c'est bien en plus, c'est juste. tu arriveras, tu crois, tu penses à le faire tout seul là-bas ou pas? Parce que Bon, un je point positif et négatif, après c'est vous verrez comment vous le sentez. Vous pouvez faire chacun votre bullshit à votre côté. ouais, pour farmer plus vite Pour en farmer gros. plus vite, nous ce qu'on fait de temps en temps pour avoir plus de coffres, on essaye de faire ça. Bon, maintenant il faut trouver aussi l'endroit. Tu me dis si tu t'en sors pas, mec, j'arrive de suite. Entrer dans la cave. Non, ça devrait aller, je pense. En plus, c'est juste un truc où est-ce que je. Putain, le grotesque, il est en caisse! Il est gros, c'est normal. Donc le croisé qui est un tank. Ouais, mais bizarrement, dans Un les bonbon astuces, tank. ils disent quand même que le croisé encaisse moins bien qu'un barbare et un moine, Bah quoi. en fait ça dépend de comment tu le stuff, mais c'est vrai que moi en fait le croisé quand j'ai regardé un petit peu les builds de dessus, ça se joue beaucoup sur le blocage en fait. Au niveau des renvois de dégâts et tout. Après je sais pas comment les gens ils vont le jouer. Ah ça on peut pas le savoir Ouais. tant que le jeu n'est pas encore sorti. Il Bah peut on y essaye avoir un des petit peu. modifications prochainement. Ouais, c'est vrai, on essaye un petit peu de faire des choses, c'est pour ça, putain, c'est vrai que, oh mec, j'ai parlé de la chaîne et j'ai basculé sur autre chose, je me rappelais même plus, quoi. C'est pour ça que je vous disais que j'ai ouvert une chaîne consacrée à Diablo sur les builds, sur les tutos, sur les astuces, sur plein de choses. Donc si ça intéresse du monde, de toute façon, je mettrai tout dans la description. On a ouvert ça il y a un peu plus d'un mois. Et l'air de rien, il y Et a de la d'ailleurs. demande. Ouais, il y a de la demande et en plus il n'y a pas des masses de français justement sur tout ce qui touche l'univers hack and slash. Non, pas énormément, non. Donc si vous kiffez le hack and slash, ben n'hésitez pas à aller faire un petit tour et faites un poutou sur les fesses de ours de ma part. Il sera très Je heureux, je lui pense. dirai, je lui dirai. J'arrive pas à trouver la zone. Ah, ça y est. Par contre, pas mal de bouchis peut être quand même assez long. Dans le sens où il faut quand même vous chercher la zone. Vous pouvez passer un petit peu de temps dessus. Par contre, ce qui est bien, c'est qu'au bout de 5 ou 10 Ouais, minutes. le jeu dit, hey, putain, mec, t'es un Voilà. noob! Au bout de 5 ou 10 minutes, vous avez une flèche qui vous indique si vous trouvez pas l'endroit. Parce qu'il faut pas non plus passer 3 heures sur un bouchi. Vous indique la direction où il faut vous rendre.
bien et moi je trouve que c'est bien. Il y avait un bleu juste à côté, je l'ai ignoré, mec. J'ai fait non, on se battra pas aujourd'hui, mec. Là, je cherche Kankeroth. Oh merde, putain, attends. Bon, bah, lui, je vais pas trop avoir le choix, je pense. Les nouveaux levels aussi, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Avant, c'était le mode normal, cauchemar, expert et. Ah, je t'avoue, je prends cher quand même. Hein, C'est vrai? pour les... Je vais arriver, je vais pas tarder, là, j'ai bientôt fini, je pense. Là, c'est vrai Oh, que c'est ça a toujours la même totalement mort. changé. Et un nouveau level, quoi, un nouveau niveau de difficulté qui s'est ajouté. Waouh, mais arrête de me fuir, bâtard. C'est le tourment. Donc, tourment 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour vous faire juste un petit peu une idée, le Asmodan en T6, en level le plus dur du jeu, à 40 milliards de vie, de Oh, mais points de remarque, vie. j'aurais peut-être pas besoin de toi finalement. C'est vrai? Je sais pas si tu vois ce que ça fait, toi, un peu, Hex. Ah, oh, si, là, oh, non, je suis mort. Ah, oh, je suis mort. Sérieux? Voilà. Sur un Ouais, mais mec? ils avaient le lien Ah, les. de feu et plus le shear, c'était ignoble quoi. Donc voilà, on va vous montrer au passage La mort. le revive Hard Corpse. Non, mais tu te fous de ma gueule! Ils se foutent de ma gueule, Lesix, sérieux. Wouah, mais ah! Vas-y, stop me fire là! Vilaine, va. Il va où mon monstre? Mec, tu sais Ah. quoi? On a parlé de tout, mais on n'a même pas parlé que tu pouvais monter jusqu'au level 110, hein, parce que pour nous c'est normal. Pour moi c'est Ah bah normal. oui. Pour moi c'est normal. C'est le nouveau level, On hein. oublie pas mal de trucs. Le level 70 maintenant, voilà, vous avez 10 level en plus. Qui dit 10 level en plus dit pas mal d'ajouts Nouvelles DPS compétences. et de compétences aussi au niveau des runes, des passifs, etc. Par exemple, moi je sais que le level pratiquement max qu'on pouvait retrouver sur le jeu, c'était presque 100K de vie minimum. Là, on se retrouve qu'on dépasse largement les 500, 600, 700K de vie. Pareil pour au niveau DPS. Je sais qu'il y en a qui arrivent un buff sur Vanilla, il y en a qui arrivaient à 400 ou 500 DPS et c'était des gros monstres. Là, moi je suis presque à 1 million de DPS et j'ai l'impression qu'on peut quand même encore bien bien augmenter dans le jeu. Je vais me taper sur toi, comme ça je vais voir ce que tu fais. Ah, il y a un coffre justement. J'arrive. En 5 secondes, je suis là. Donc pas mal de choses différentes à ajouter, je vous ai dit, je donnerai un peu toutes les explications sur la chaîne, sur Hack'n'Slash. Donc, t'es où là? D'accord, il te manque Ok, juste à tuer là-haut. le boss en fait là. Non, Si, non. Ouais, si. moi je. Bah, viens, il y a un coffre ici. Je te suis. Viens, poulette. Les 100 mobs, ça fait plaisir. J'ai un petit vortex, le nouvel ajout du féticheur. Même pas les 100 mobs. C'était des pops sans nom quoi. Je les aime pas Allez, viens trop mon petit celle-là. démon. Je vais mettre un truc, je vais voir si ça marche. Faudrait qu'il y ait des élites, ça serait Ah ben rigolo. voilà, justement, voilà, il nous a indiqué sur la carte où est-ce qu'il fallait aller. On a plus que ce petit vilain à péter là. Je te laisse le battre ou. Oh. C'est moi, honnêtement, je vais mettre deux coups. Vas-y, Hex, vas-y! Je te vortex un peu. Putain, oh, la scie, ça fait mal. Ok. Non, mais j'allais me le faire, putain! Je peux pas m'empêcher, mec. Tu peux pas t'empêcher de me troller, c'est ça? Ah, je peux pas m'empêcher de taper en fait. Ah, ben voilà, ben maintenant on a eu le cadeau. Donc là, on a fini la zone. Vous avez vu qu'on a les 5 bounties de terminer, quoi, les 5 missions. On va directement se rendre En ville. en ville, au quartier. Et on va parler à notre ami Tyrael. C'est ça. Salut copain! Allez, donne-moi le truc. Et voici le bounty qui est Ouais. apparu dans le sac directement. Donc vous pouvez l'ouvrir ou soit vous le stockez. Ça sert à rien. Nous on essaie de le faire deux par deux. Mais après voilà, vous faites clic droit dessus. Et après, Ah là, je vais selon. montrer moi. Ouais. T'es même chez légendaire? Tada! Eh ben non. Pas de légendaire? Je pense qu'en fin de vidéo, je montrerai moi. Parce qu'en fait, je me suis rempli le coffre entièrement rempli de bounty. Et je montrerai en vidéo. Je ferai un petit clin d'œil. Qu'est-ce que ça fait d'ouvrir tous les coffres d'un coup en fait? C'est-à-dire un coffre entier, il y a 30 ou 35 places. Je te propose d'aller faire un rift vite fait. Ouais, et on va terminer sur le rift. Alors le rift, c'est une faille. Qui d'ailleurs, on a gagné les clés depuis tout à l'heure, on gagnait des clés de rift. C'est celle qu'on gagne à chaque fin de mission. Il en faut 5 pour ouvrir la faille. Et en fait, dans la faille, vous avez un mode qui est aléatoire. C'est une map qui est aléatoire.
aléatoire avec des mobs aléatoires dedans. Donc ça se génère à chaque fois. Par contre, j'ai l'impression que mon jeu freeze, mec. Moi, ça charge. Non, c'est bon. Donc le Ah. rift, qu'est-ce que tu dois faire, ex, dans le rift? Tout nettoyer, tuer tout le monde, bitches! Voilà, c'est ça. C'est vraiment du bashing pur et dur là. C'est vous avancez, vous tapez tout le monde, vous avez une barre juste à droite qui vous montre le niveau de. Ouais, le pourcentage d'avancement dans votre quête. C'est ça. Et dès que vous arrivez à 100%, vous avez un boss qui Bon, pop par et. contre, fais pas ton noob comme la dernière fois, s'il te plaît, commence pas à partir partout. À moi? Ah mais je suis tout le temps ça hein. J'adore tes petits mobs avec leur couteau là. Les petits fétiches, ouais, c'est la fixe que j'ai sur mon casque. Si je tue deux élites, j'ai des petites mobs, des petits féticheurs qui apparaissent. Oh putain, ça pète hein. Et ils sont là. Regarde. Tu es dedans là. Tu fais partie des 5 là. Ah putain! Qu'est-ce que tu fais? Aïe aïe, Bah tue des putain. mobs. C'est un peu le but du jeu, tuer des mobs quoi. Je comprenais pas où tu étais parti en fait là. C'est Par vrai que contre la c'est pas. Maximus, la fixe de la Maximus, il est vraiment énorme. C'est l'arme Ma qu'a vie. Hex. Franchement, plutôt rigolo. J'avais déjà En vu un plus elle est moine jouer belle, avec. regardez, attendez, je vous la montre. Ah oh ouais, elle est sexy hein. Elle est sexy hein. Non, franchement, elle est. Oh mais putain, mais il a tué tous les élites avant que j'arrive. Je t'ai dit, mec, je joue en T2 facile. Donc là, en expert, je les fonds quoi. Je vais te laisser passer devant parce que sinon, mec, ça va être. Le boss final, je crois qu'on va rigoler. Ouais, regarde, tu fais partie des 5 là. Je sais pas si tu te vois dans les petits fétiches là. T'es celui avec le canif là. C'est le mec, le troll. Je lui Bâtard. aurais tous donné un nom en fait. Il y a Ours, Rico, il y a Natsu. Il donne des Il noms, c'est. y a les petits fétiches. Le monstre, putain, il est Non, sérieux. c'était un peu délire la fois sur le stream. Allez, à mort! J'aimerais bien qu'on arrive à la fin de la map pour vous montrer que tout est looté aléatoirement, quoi, que tout est généré aléatoirement. D'ailleurs, on a trouvé que c'était mieux généré que dans le WoW Vanilla, ce genre. Désolé. Une mauvaise production Blizzard. Ah, t'as le WoW Vanilla, t'es. Enfin, moi je trouvais que c'était. Ouf! Putain, avec tout ça, j'arrive plus à parler quoi. Trop de focus, tue le focus. C'était mieux, ouais, j'avoue que c'était mieux. Et puis même au niveau des maps, les ambiances et tout, il y a tout qui change. Mais pour te dire, moi je suis tombé une fois sur cette map, mais dedans il y avait les ours du monde des poneys. C'était pas. Bah non, pourquoi tu dis les ours du monde du poney alors? Les bisounours. Les ours du monde du poney. Ouais, C'est il y a pas des petits trop. ours. Ouais, y a des petits ours, mais. Oups. Là, Ah, dans le cimetière. on est dans une D'ailleurs, scène c'est une des zones de l'acte 5, ouais. de l'acte 5, ouais. L'acte 5, on ne vous montrera pas pour éviter tout spoiling involontaire. Là, c'est pas de notre faute si on arrive dans cette zone. Je vous ai dit, tout est généré. Complètement aléatoirius. Par contre, vous trouverez pas ces mobs dans cette zone, hein, je vous le dis. Donc, ça, c'est cool. Comme ça, ils verront pas les monstres. Suis gelé! Ça, c'est Je les mobs qui sont dans meurs! l'acte 3, je crois, si je dis pas de bêtises. Il y a tout qui est mélangé en fait. Tu es où là? T'es derrière moi. Ok. Bah, je tue des mobs, moi! Vas-y, vas-y. Tu sais que tu laisses derrière! Parce que toi, t'as. Les mecs, ils demandent qu'à mourir et toi, tu les laisses en vie, quoi. T'es vraiment dégueulasse comme mec, hein. Allez, mourrez tous! Putain, c'est tellement bourrin, hein, sérieux. Ah, Là, y'a. franchement, Là, c'est. on va avoir besoin d'aide parce que là j'ai un peu des bleus sur la Ah gueule. ouais? Vas-y, j'arrive. Mais oui, il me fiert ce chat-là. Allez, vas-y, y'a glace en plus. T'es pas mort, tu tiens. Voilà, c'est Ouais. nickel. Tu tiens, Ouais, mais. mec. Tu dois courir quoi! C'est bon, t'inquiète, y'a plus personne. Si, y en a encore un ici là. Tu veux sortir de ta cachette? Gueule, bâtard. Oh putain, je crois qu'à un moment j'avais mis 1 million de dégâts là, j'étais trop fier. C'est possible, hein, tu peux faire des coups critiques à 1 million. Hein. Bah avec mon moine, enfin non, avec mon guerrier, je mettais des coups critiques à 1 million hein, sur Vanilla, mec. Hein. Ouais, c'est plus que possible, mais moi, à la base. Bon, on est à 98% là. Ouais, il va Et bientôt arriver. y a un goblish. Il est où? Juste ici. Voilà. Notre ami est en train d'arriver. Donc, vu que la map a changé de couleur et tout. Ouais. Ah putain le gobelin. Oh
c'est ouais, c'est vrai. Combien de secondes il va durer Voracity Même pas un petit légendaire. Non. Moi non plus, j'ai rien eu du tout. J'ai même pas eu de Forgotten Soul ou quoi. J'ai rien. My bag is full. Est-ce que je les ai pris? Oh merde, putain, y'en a... Qu'est-ce que tu as eu? Ah si si. J'avais oublié que le... C'est bizarre. Ah oui, non, mais laisse tout le temps, ça nuage, ça nuage Quand d'acier. tu gommes, en général, son poison, il nous tue plus, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et là, il le laisse. C'est vrai, ça c'est un truc que j'avais oublié de dire. Donc moi, j'ai eu le Ah ben Forgotten. merci, hein, je suis mort par ta faute. Tu l'as pas eu, toi, celui-là? C'est quoi? Ce que je t'ai looté, en fait, le Forgotten Soul, c'est un item. En fait, c'est dès que tu Si, déses, je crois. dès que tu Je crois que j'en ai désenchantes, un. tu casses un légendaire, Oh ça mais te donne merde, putain, mais... cet item. Et qui servira, en fait, pour enchanter tes items Comment on est supposé prendre chez le loot, Myriam. là? Ben ouais, mais tu peux pas le prendre en fait. Bah si, mais je vais mourir. Ah ben oui, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de vie, c'est pour ça. Je vais pas le prendre pour moi. Non, je peux pas. Donc ce qui a été looté aussi sur le mob, c'est souvent il te loot du Forgotten Soul, donc je vous ai dit l'outil pour crafter. Ou sinon des légendaires, bien évidemment. Et le plus important, c'est cette nouvelle monnaie qui s'appelle les Bouchards. Donc les Bouchards, qu'est-ce qu'on va faire avec le Bouchard? Je vais vous montrer ça tout de suite. T'es parti, c'est bon Non, je mec, suis hein. encore là. Tu peux tout prendre. Ouais, c'est pour ça que j'attendais. Donc dès que la map est terminée, dès que vous avez tué le boss final, vous pouvez retourner en ville, fermer la faille et enfermer Aix dedans. Quoi? Non, non, c'est pas possible. Encore là, c'est pas possible. Non, par contre, voilà, j'ai fermé la faille, hein. J'espère que t'as pris tout ton loot. Voilà, donc ils vous disent dans 30 secondes la faille se ferme. GG, Eh, j'ai eu un au fait. t'as fait le petit au fait. Donc dans 20 secondes la faille va se fermer et après vous pouvez retourner dedans quand vous voulez tant que vous C'est avez des quoi, clés. Never Enough Time? Finissez. Ah, un rift. En 2 minutes! C'est possible ça! T'es sérieux, on l'a fini en 2 minutes? Non, 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 on l'a fait en. En combien? Je pense pas qu'on l'ait fait en 2 Non, minutes. on Ouais, l'a fini en 10 minutes. t'as assez vite chez Dieu, mec. Non, le rift! Et en fait, dès que la faille se ferme, vous pouvez la relancer tant que vous voulez. Donc les Butchers, ça sert à quoi? Vous avez un nouveau PNJ qui s'appelle Kadala. C'est cette femme qui est juste ici. En fait, avec les Butchers, vous pouvez acheter des items non identifiés Tout à fait. qui peut donner des légendaires et des pièces de set. J'ai un pote qui a réussi à avoir une pièce de set de Talrasha dessus pour son sorcier. Donc franchement, moi je vous conseille d'essayer de tâter un maximum. Vous voyez qu'il y a certaines pièces qui coûtent 5 bouchards, d'autres comme les amulettes ou les bagues qui coûtent 10 ou 20. Après, il faut tenter sa chance. Sachant que les bouchards, on peut les stacker jusqu'à 500 maximum. Donc, dès que vous en avez 500, 500. ouais, ça va vite, hein. En tourment, nous on en lâche à peu près 60-70 sur Vas-y, chaque crypte. je vais essayer de loot un bouclier. Il va falloir y aller, mec, hein, pour tuer un bouclier légendaire dessus. Ouais, aucun bouclier légendaire. Alors, on a eu quoi? Alors, écrise de l'écran, augmenter des dégâts de slash de 14%. La vitalité, c'est la merde. Vitalité résistance full. Déception. T'as Déception. eu ces deux bleus? Non, regarde ce que j'ai eu. J'ai eu ça, Ouais. ça, ça. Avec tes Toujours. bouchards. Ouais, Ben c'est ça. bizarre mec, parce que là, c'est chelou. Avec tes trucs de bouchard, tu peux prendre tes items. De quoi? Ben en fait, tout est lié, tu vois, pratiquement sur le jeu, en fait, tout est lié au compte. Et là, en fait, t'as acheté des trucs qui sont liés avec ton compte, mais je peux récupérer quand même les items. Ça, je savais pas. C'est pas les trucs liés au compte, le jaune, mec. Ça, si tu l'équipes, oui. Tous tes items, si tu les équipes, qu'ils soient bleus, jaunes, verts ou tout ce que tu veux, mec, après Sûr c'est... de ça? Oui, On va sûr de ça. vérifier. Équipe ton item, tu vas me le lâcher au sol, je pourrais pas le récupérer. Voilà, je l'ai équipé. Ouais. Je pense au sol. Ah si. T'as pris lequel, là? Et bah, j'avais pris un des boucliers. C'est Non, bizarre. non, en fait, je Non. crois que le lien, c'est uniquement quand Ah, tu transmogrifies. Quand Ouais. tu transmogrifies, Exact. quand tu l'enchantes, ou alors que ça soit un légendaire. C'est ça. Je suis à plus de 100 heures sur la bêta déjà et j'avais complètement zappé ce. Tiens, Hadouken! Bon, Hadouken! je pense qu'on a fait un petit peu tout le tour Ouais, on a fait un petit peu tout le sur le mode tour. aventure. Après, je vous ai dit, à part pour les Uberboss, vous avez des nouvelles clés. Mais je vous ai dit, pour plus d'informations sur le nouveau personnage et tout, Attends, on fera je leur des trucs manque quelque tranquilles. chose. On fera des vidéos. Moi, je pense que sur Hack and Slash, je vais Et faire vraiment sinon, tout le je truc vais détaillé juste vous quoi. dire un truc, je suis le seul mec à avoir un personnage qui a un nom pareil. Ah putain, tu vas le prendre?
Tu leur as montré? Tu es fou. Ah bah d'ailleurs mon croisé est au même niveau que ma moniale maintenant. Eh, on n'a pas montré un truc aussi. Hein. Moi c'est bon, j'ai l'activé. Si vous prenez l'édition collector, en plus des skins, vous avez aussi ce mini pet. Ah oui, le mini pet Le mini qui est pet tout squelettique. moche. Le mini pet squelettique Putain. à l'effigie. Fantomatique. Ouais, fantomatique. À l'effigie de la taille du zob de Paramoul. Ouais. Il y a un gros. J'arrive pas à voir sa tête à chaque fois. On dirait qu'il a une tête d'humain en fait, le squelette. Il est Ouais, une chelou, tête hein. de chien. Tu es là, toi? Non, tu. Il est vraiment bizarre. Ah, il est moche J'essaie surtout. de voir sa tête, moi, à chaque fois, j'arrive pas. Bon, c'est vrai que la mienne aussi. Et pour ceux qui se demanderaient c'est quoi nos ailes qu'on a dans le dos, là c'est parce qu'on a acheté l'édition collector de StarCraft 2, Heart of the Swarm. Out of the Swarm. Et donc, vous avez ce mini pet. En plus, ouais, des ailes. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me le demandent. Lol, ça fait. C'est ridicule, mec, je te jure. J'avoue, j'aurais pu foutre des ailes, sérieusement. J'avoue, franchement, ce petit pet mort de rire. Il est minable comparé aux ailes du collector de Diablo 3, quoi. Moi, sérieusement, je le laisse dans le coffre, je le touche pas en fait. Hop, je l'enlève, je le laisse dans le coffre. Je verrai des fois de temps en temps faire un petit peu kikou. Donc, de toute façon, si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à laisser en commentaire si on peut répondre à vos questions, y'a pas Ouais, de souci. pourquoi est-ce que je l'ai déséquipé et qu'il est encore là, ce con? Non, en fait, il faudrait que tu. Dès que tu es pas dans le coffre, tu cliques, tu fais un clic droit dessus et après tu le remets dans le coffre. N'essaie pas de le tuer, ça marche pas. Meurs! Qu'est-ce que tu es, son pet? Putain, il esquive trop bien ce bâtard! Tu m'étonnes. Comme je rigole s'il te pisse sur la jambe. Bon, allez, vas-y. Moi, je pense qu'on a fait un petit Mais peu tout le voilà, tour du on mode va aventure pour s'arrêter le moment. ici. Ouais. Je pense qu'on refera peut-être une vidéo plus tard si j'ai le stuff pour pouvoir tenir en mode tourment, hein. Ouais, je pense que c'est faisable, mec. Il suffit que tu montes 70, après, je t'emmène en tourment 1 ou 2 et t'inquiète. Enfin bon, vous avez vu, hein. Maintenant vos persos auront enfin la classe avec la transmogrification. J'avoue. Merde, j'ai ouvert un rift. Bon, c'est pas Non. grave. Ouais, j'ai payé un rift pour rien. Bon, j'en ai 300 qui traînent dans le coffre depuis le début, donc. Ouais, c'est vraiment pour dire à quel point pareil farm quoi. Bon allez loulou, sur ce, on va se laisser ici. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la nouvelle chaîne de Para Ken Slash, hein, si vous êtes fan de Diablo ou à Ken Slash en tout genre, hein. Et si vous voulez lui apporter son soutien pour l'avenir, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez, hein. Uniquement si vous aimez, hein. Bien sûr. Si vous aimez pas, bah donnez votre adresse et Para viendra vous casser les jambes, y a pas de Non, mais c'est problème. juste pour découvrir les jeux, les hack and slash. Et je pense que X, il saura beaucoup sur. Que ça soit sur Diablo, sur Let's Play déjà, je pense qu'on fera ensemble. Et sur Marvel Heroes, etc. Pas mal de jeux, quoi. Marvel Heroes, j'aimerais bien y refaire un tour, hein. Ouais. Avec mon Ghost Rider. Oh putain. Bon, allez, sur ce, poutou partout, amour et volupté. Non, qu'est-ce que je raconte? Prenez soin de Putain. vous, pour ça, rock'n'roll, n'oubliez pas d'avoir la. Oui, attitude, et comme d'habitude, être des pots au cul. Vous connaissez la chanson, vous connaissez ce dicton, je vous laisse, je fais bien poutou partout. Et ben voilà, sur ce, prenez soin de vous, para, mot de la fin. Peace. Putain, ça c'était pas mot de la fin. Allez, ciao, ciao. Peace.